Surprise, Oui. chez PMC, une électronique, un Une électronique, amplificateur. donc un amplificateur entièrement analogique, donc en classe AB, on a classe AB. Donc c'est un produit qui a été dévoilé en avant-première hier après-midi. Donc 4 ans de développement pour ce produit donc en aluminium, donc taillé dans la masse. Donc qui reprend l'historique de PMC, puisque alors pourquoi un ampli? Puisque PMC a un nom d'histoire dans le monde du professionnel, étant donné qu'il y a une grande gamme d'enceintes actives intégrant des électroniques. Et depuis longtemps, PMC maîtrise aussi ce côté, cet aspect de l'électronique. Donc alors des caractéristiques, on a des choses assez simples, finalement une façade assez simple, assez Absolument, dépouillée. absolument. Donc une façade également tout en aluminium. Donc la particularité, c'est qu'aujourd'hui, donc on retrouve un réglage pour les aigus, les graves et la balance. Et on va retrouver aussi également le côté professionnel de PMC, puisque les potentiomètres sont autorisés. Donc chose qu'on retrouve sur les consoles de mixage professionnelles. Donc ils ont voulu aussi ajouter un côté professionnel pour cet ampli. Alors j'ai cru comprendre que les potentiomètres, enfin les réglages d'aigus et de graves, chaque segment correspond à un C'est quart de ça, dB, c'est ça? exactement. Donc on est sur un réglage à 0,25 dB par pas de 0,25 dB. Donc ce qui est un réglage extrêmement fin. Donc ce qui peut, depuis une position de notre position d'écoute, on peut régler le niveau de grave ou le niveau d'aigu selon le morceau que l'on écoute ou la source. Donc c'est un réglage très très fin. Puissance 2 x 95 watts. Donc on est en classe AB. Donc 2 x 95 watts sous 8 ohms. Dès qu'on est capable de délivrer 2 x 140 sous 4 ohms. Sortie, prix. Sortie, disponibilité fin juin, avec un niveau de prix aux alentours de 6 300 euros. Il y a plusieurs finitions, j'ai cru en voir un blanc Alors, il y aussi. a une finition ici, on est sur une finition gris anthracite et une finition également blanche, tout à fait.